Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du livre de Valérie Perrin, Changer l'eau des fleurs, que vous pouvez retrouver à la médiathèque de Rombin. Valérie Perrin est un auteur, écrivaine et scénariste, femme de Claude Lelouch. Son livre « Changer l'eau des fleurs » parle d'une dame qui s'appelle Violette Toussaint. Et Violette Toussaint est gardienne de cimetière. Son nom est assez équivoque. Violette rencontre énormément de monde dans son cimetière, des gens qui sont sous terre et des gens qui sont sur terre et qui passent dans sa loge pour discuter avec elle, s'épancher, partager une tasse de thé ou de café. Au fil de ces rencontres, elle s'ouvre un peu plus et on découvre son histoire au fur et à mesure des pages. Son histoire, elle la laisse cachée pendant un certain temps. Et au fur et à mesure, on se rend compte que c'est une dame qui a souffert et qui a un passé assez perturbé. Sa nouvelle famille sont les fossoyeurs et le jeune curé de l'église à côté de ce cimetière. C'est un livre qui ne se lit pas, mais qui se dévore. C'est un livre qu'on ne pose pas. Une fois commencé, on a beaucoup de mal à le laisser de côté. Et il nous apprend beaucoup de choses sur la vie, sur le regard qu'on peut porter sur les autres, sur les jugements que l'on pourrait avoir sans connaître l'histoire complète des personnes. Violette Toussaint aide beaucoup de monde, chose qu'elle n'a pas pu avoir et qu'elle n'a pas pu vivre dans sa triste vie. Alors, si vous avez envie de passer du rire aux larmes, de la compassion à la modération, prenez vite ce livre « Changer l'eau des fleurs » à la médiathèque de Rombin.